Yo tout le monde, c'est Sarcueil. Oui, et pardon pour vos oreilles, je pense que ce cri vous a détruit les tympans. Mais bon, attends, je vais entrer dans FIFA Ultimate Team. Donc, on se retrouve sur le deuxième épisode. Alors, je fais un deuxième épisode sans avoir fait attention à vos commentaires. Je sais pas encore si vous avez dit oui ou non, parce que je fais le deuxième épisode avant d'avoir mis en ligne. Le premier épisode, donc dans le premier épisode, vous vous rappelez, on avait gagné un pack et j'arrivais pas à l'ouvrir parce que mon wifi était de la grosse merde. Donc voilà, donc maintenant, donc je vais faire un opening pack. Peut-être que c'est de la merde, hein, mais bon. Donc j'ouvre le pack. Alors, boutique Coupe du Monde de FIFA 14 dans le CM de la Coupe du Monde. Ce pack acheté contient un pack fut hors gratuit. Une sélection de joueurs de la CM, des consommables et des clubs. Le pack hors gratuit est disponible dans la boutique. Les éléments joueurs de la Coupe du Monde et les éléments clubs des packs ne sont pas échangeables. Donc les éléments joueurs de la Coupe du Monde et les éléments clubs des packs ne sont pas échangeables et n'ont aucune valeur de vente rapide. Les consommables et les éléments s'utilisent comme dans le FUT et sont partagés entre FUT et OK. Donc voilà, donc mes packs. Pack match 1. Alors, mon dieu. Donc on le sort. Ne prenez pas de la drogue, c'est très dangereux. Très 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 dangereux. Ok, Ronaldinho, c'est pas mal. C'est pas mal. On va placer dans l'équipe active, on va pas le laisser dans la réserve. Enfin dans le club. Donc on va voir. J'ai 3 milieux sur le terrain. Puis 1, 2, 3. 3 remplaçants. 1 et 2 dans la réserve. Bah je pense. Ouais, je vais le changer par de la réserve. Par lui, par Koumatien. Voilà. Et Koumatien, bah, tu pars au club. Hein. Tu pars, je te vire. Ok. Ah, donc du coup, il n'y a pas de marché de transfert, mais on peut que acheter des packs or. Donc, ça coûte 5000 crédits. On en a que 2000. Presque 3000. Donc, on va continuer notre match. Donc, attends. Donc voilà, on va faire le deuxième match de la phase de groupe. C'était joueur solo. Donc voilà. Donc maintenant, je pense que c'était contre l'Australie. Ouais bon, donc on est les deuxièmes de notre groupe, mais enfin on a le même point que le premier. Donc voilà, le premier c'est le Chili, nous c'est le deuxième, troisième Australie et dernier Espagne. Parce qu'on les a battus dans le dernier match. Donc on y va, hein, jouer match. Ok. Je vais modifier la composition jusqu'à ce que je l'ai fini et donc je coupe la vidéo. Donc million de dettes domicile et l'Australie domicile aussi. Ok, donc voilà, on va jouer match. On va faire le match. Donc on est encore dans la phase de groupe, donc du coup je vais pas me compliquer la vie à laisser l'intro. Je le laisserai peut-être dans les huitièmes de finale et les quarts, mais je suis pas sûr. Je suppose que je le laisserai que dans les demi-finales et la finale, mais je suis pas encore du tout sûr. Donc voilà, je passe. Ok, donc on a intérêt à gagner, hein. Merde! C'est quoi? C'est quoi ça? Réception bien jouée. Mais. Intercepte. Allez, leur jeu. Il faut jouer leur jeu. Eh, hors jeu! Ouais, voilà. Voilà. J'aime mieux ça. Quoi? Mais quoi? Mais c'était hors jeu! Y'a même pas faute! Y'a même pas faute! Mais qu'est-ce que tu balances? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais
LOL, 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 LOL. Genre, tu vas marquer comme ça. Bon, allez. On fait une passe courte. Je veux pas prendre le risque. Ok, on y va. C'est parti. Martinez. Oh, quelle occasion. Oh. Mais comment tu rates ça, mon vieux poteau? C'est ce que l'entraîneur vient de demander. En plus, après, j'ai pas pu faire un bon tir. Puisque j'ai... En tirant le premier tir, j'ai complètement bougé la manette de mes doigts. Et elle s'est... Elle était dans une mauvaise position. Mais c'est quoi ce tir, Martinez? Bon, allez. Bon, on a Rodadillo. On a Rodadillo, donc voilà. J'ai quand même de bons joueurs. Hein. J'ai quand même de quelques-uns qui sont assez cool. Mais cours ! Tire ! Mais genre, c'est quoi ce truc ? Attention, genre, si l'Australie nous gagne et on a réussi à gagner l'Espagne. Martinez. Je sais pas qu'est-ce que je pète la PS4. Thomas, ouais. Moi je la pète. Allez, s'il lève ah, tête, j'ai vu Assassin's Creed United. Ils le sortent le 28 octobre. Ouais, très bien, je sais pas si c'est que le 28 octobre pour PS3. En tout cas, s'il est pour PS4, il n'y a pas de doute, je l'achèterai et je commencerai directement l'histoire avec vous. Et on m'a dit, je suis pas du tout sûr, on m'a dit qu'il y aura le GTA 5 pour PS4, mais ça, je vais pas. Enfin, c'est un copain qui me l'a dit, je sais pas s'il me troll ou pas. Mais bon. Et s'il sort, ben, peut-être que je l'achèterai. Peut-être j'attendrai un nouveau GTA parce que ça fait quand même très longtemps que le GTA 5 est sorti et ça peut être un peu une connerie l'acheter. Donc l'Australie n'arrête pas de m'enlever la balle. Je pense que je suis en train de trop parler et j'arrive pas à me concentrer. Bon, contre-attaque. En plus c'est hyper difficile d'appuyer sur le bouton de contre-attaque parce qu'ils sont de l'autre côté de la manette et je dois bouger à la fois. Ils sont aux abois, les défenseurs. Ah, ils voulaient prendre l'aile. Mais. Il s'est fait couper l'aile. Putain. Ouais. Dégage. Mais dégage. L'entraîneur qui a demandé à ses joueurs de jouer dans le jeu. Sérieux. Sérieux. Peut s'avérer payante quand on joue à l'extérieur. C'est pas possible. C'est. Allez. Allez, tu me mets en jeu. Joshua Kennedy. Ouais. En jeu. Avec l'assistant qui signale. En jeu. Bon. Contre-attaque. Ronaldinho. Redoutable passeur. Ronaldinho. Un coup d'œil exceptionnel. Allez. Il perd ce ballon dans le. Mais c'est quoi cette passe? Tinkail. Ouais. Ouais, ouais. La passe. Allez. Rubik. Rubik Cube. Rubik Cube. Mais t'as vu comment ils m'ont jeté par terre? Mais c'est quoi cette passe? Allez. Allez. Prends la balle. Prends la balle. Prends la balle. Contre-attaque. Mais oui, mais juste quand je fais la contre-attaque, mais... Comme les boutons sont de l'autre côté, j'arrive pas à bien bouger et je perds le contrôle de mon joueur. Voilà, c'est tout. Mais t'as vu ce qu'ils ont fait? Tout seul. Ils sont tombés tout seuls. Non. Non. Oh, c'est parti. Oh. Ah, ses responsabilités. Oh, la lutte est âpre pour reprendre ce ballon. Ouais, bon, presque. Enfin bon. Thomas Orr. Putain, mais ils sont forts. Enfin, ils sont forts. C'est plutôt moi qui est nul. Alors que j'ai le même niveau que contre l'Espagne. J'ai laissé le même niveau. J'ai laissé ses micros. Bon, faudra que j'arrête de dire le niveau que j'ai mis dans mes vidéos parce que ça fait un peu ringard. Enfin, ça me met en ridicule.
Mais. Il peut enchaîner maintenant. Hollande. Changement tactique, a priori pour les visiteurs qui vont privilégier le hors-jeu. Mais cherche une faille. Attention, si elle est bien maîtrisée. Une faille. Pas un fail. Un fail, une faille. Mais. Oh mon dieu. Ah, cela leur aurait donné l'avantage. L'occasion de passer devant. J'ai senti vibrer ma télécommande, je croyais que c'était but, mon dieu. Regarde ça. Non. Bon allez, vas-y, il faut... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'arrive pas à... Peut-être que je suis en train de jouer comme un cul. Ou alors, c'est que mes tactiques ne marchent pas très bien contre cette équipe. Balles arrêtées. Bah, je préfère qu'il la sorte. Qu'il me l'enlève. C'est pour ça que je joue aussi près des ailes. Comme ça, s'ils viennent de l'intérieur, ils vont la sortir obligatoirement. Ils vont la sortir. Oh, on le dribble. Ouais. On n'ira pas plus loin. Allez, allez, fais la passe. Smalling. Tiens, prends le lien. Non, c'est pas les pales. Ronaldinho. Allez, Ronaldinho. Allez! Mais c'était nul! Genre, il faut gagner, hein, il faut s'assurer le passage. Et c'est la mi-temps ici, donc pas de marqué 0-0. Mi-temps. Sérieux? Sérieux? Are you serious? Oh my god! C'est dans la finition que ça pêche. Arrivé dans les 30 derniers mètres, les attaquants ont du mal. Ouais, bon, vas-y. Mi-temps. Deuxième mi-temps. Allez, deuxième mi-temps. Il faut gagner. Ouais, vas-y. Tu t'avances. Ronaldinho. Allez. Mais pff, Ronaldinho, oui, je sais. Il est déjà mieux là. Il a eu son époque. C'est plus maintenant son époque. Voilà. Ouf. On dirait qu'ils ont des ressorts les gardiens sur les mains. T'as vu comment des fois ils arrêtent et le ballon il la touche à peine et ça rebondit vers le haut comme des ouf. Genre comme dans la vidéo avec mon cousin. Mais avec mon copain là dans The UX dans notre chaîne, on a fait un tir. Casillas l'a arrêté. C'était un truc de malade! Mais t'es tombé tout seul, mon vieux! Mais je l'ai pas touché! Mais voyons! Oh! Oh mon dieu! Non! Tu te fous de moi? J'ai réussi à le prendre, à le reprendre à plusieurs reprises et on nous l'enlève parce que t'es con. Voilà. Allez. Mais cours. Mais cette passe, c'était quoi, mon vieux? Bon, contre-attaque. Non, mais comment vous m'enlevez le ballon là? Mais putain, non! Mais c'est... Mais c'est pas possible, mais ils me l'ont... C'est l'Australie, c'est pas une équipe de merde, mais c'est pas une équipe de ouf quand même. Mais c'est qu'ils me l'ont enlevé, c'est pas justifié. Putain, on est marre, moi. On est marre. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Non. Non. On est vers la zone de vérité. En plus, les miens, ils sont nuls. Ils courent à peine. Mais comment tu te fais enlever la balle là? Mais comment tu fais un tir de merde?
En plus, je transpire des mains parce qu'il fait hyper chaud à Madrid. Mais c'est pas faux, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre. Bon, en plus, il fait hyper chaud, comme je disais. Parce qu'il fait hyper chaud à Madrid. Et j'ai les mains qui transpirent, il y a la manette qui glisse dans mes mains. Mais genre. Mais arrête de me faire chier. C'est pas moi qui fais la faute, ok? En plus, là, je peux pas faire la contre-attaque parce que sinon la manette elle tombe de mes mains. Cours, Villar. Oh, le tir! But! But, Ronaldinho! Ouais, quoi. Oh, c'était beau ça! Enfin, heureusement. Parce que je veux pas voir Zibou au repos quand même. J'aimerais gagner ce match pour m'assurer la victoire. Ce qui passe, c'est le premier et le deuxième, non? Ouais, c'est le premier et le deuxième des groupes. Ouais, si je gagne. Non, si je. Il faut que je gagne ce but pour m'assurer le passage. Parce que si j'ai un match nul, peut-être que je passe pas. Bon, oh le but quand même. Oh le but, il faut applaudir ça. Et voilà donc à égalité, un but partout. Comment je vais enlever la balle? Enfin, comment je vais. Attention à cette perte de balle au milieu. Oh! Comment je vais enlever la balle? Allez! Allez! Allez, on est tous motivés! Tire! Mais tire bien, espèce de bouffon, va! Espèce de bouffon, toi! Toi, t'es qui? Le 20, le numéro 20. Moi, je m'en fous, moi, je te sors. Pato. Mais ouais, pato en espagnol, ça veut dire canard. Mais si t'as des pattes de canard, comment tu vas réussir? Bon, ils sont pas fatigués en plus. Ah oui, mais ils ont jamais eu la balle, comment ils vont être fatigués? Ils ont rien couru, ils ont rien fait. Là, je suis vénère. Mais putain! Allez, quoi? Eh, hors-jeu! En plus, c'était hors-jeu, je m'en touche. C'était hors-jeu. Oh! Le dribble, Pato, canard, allez canard. Ouais bon. Oh non, mais comment tu rates ça? Mais comment tu rates ça? Non. Mais bouffon de merde. C'est impossible de rater ça. Non, mais je te jure, mec. Même moi, je marque comme ça. Je joue presque jamais au foot dans la vie réelle. Je marque ça. Moi, je marque. Ouais, parce que j'ai eu un petit problème. De vidéo. Allez. Passe. Ouais, bonne passe. Allez. Ouais, elle est bien partie, c'est Ronaldo. Non mais Ronaldinho, il est vieux. Vous avez vu avant quand il a marqué, même il avait des cheveux blancs, mec. Je crois pas qu'il était encore dans l'équipe du Brésil, il est quand même. Le pire c'est qu'il avait été remplacé par Neymar. Non, Neymar, c'est pas un mauvais joueur, mais tu vois, un vétéran remplacé par un gamin de 19 ans, tu vois. Dans la Coupe d'Amérique de il y a 3 ans, quoi. Ouais, la Coupe d'Amérique était il y a 3 ans, juste après la Coupe du Monde. Il faudrait peut-être revenir en soutien. Enfin, un an après la Coupe du Monde. Avec Ronaldinho. Remplacé par Neymar. Cours! Ouais, là ça se voit côté. J'allais dire un truc, mais il vaut mieux que je te. Et non, il donnera pas l'avantage à son équipe sur cette action. C'est bien vu, hein, de la part du gardien. Moi aussi, je vais faire un changement, je pense. Ouais, en fait non, ils sont pas vraiment fatigués. Allez, là, il faut marquer. But, ouais, je suis hyper fort, minute 81, il fallait vraiment que je gagne. Ouais bon, il reste encore 9 minutes, mais oh le but. Oh mais c'était magnifique. Oh mon dieu, c'est magnifique, mec.
Aussi, le gardien, il a eu un réflexe un peu nul à chier, ouais, un peu lent. Mais bon, c'était beau quand même, le but. Hein. Enfin, c'était beau. Jackson M. Jackson Michael. La blague de merde. Et l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Oh mon dieu, comment il court quand même, pour être vieux. Oh mon dieu, oh mon dieu, c'est magnifique. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ouf. Oh mon dieu, comment il court pour être un petit vieux avec sa canne. Ryan. Oh mon dieu, oh mon dieu. Bon, allez, un autre tonnerre. J'espère, je compte sur vous pour... Attends, voilà. C'est pas vraiment fatigué. Hein. Allez, 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 un autre but. Oh non, là, c'était un peu de la merde. Allez, allez, la passe. Allez, allez, allez. Non, mais comment tu perds le ballon là? Allez, allez. Comment il court là? Comment il court? Mais passe-la, je t'ai dit. Je t'ai dit quand même de la passer, non? Je te jure, il marque. Je défonce le défenseur où je lui ai dit de la passer. Le 21 qui a réussi à... Il a réussi à attraper la balle. Je te jure, s'il marque, je le défonce. Okay. Je le défonce, mais à tel point je le défonce, je... Enfin, voilà. Je défonce. Ouais. Allez, allez, comment tu cours, mon vieux? Allez. Ouh. Mais ouais, quand même, le tir était un peu nul et j'aurais pu avancer un peu plus, mais. Pour au moins avoir un corner. Et je vais faire un changement quand même. Ouais, je pense. Je pense que je vais faire un changement. Alexandre Pato. Par Ben Khalifa. Après, je vais changer Hernans par Samaris. Puis, je vais changer Smalling par Granding. Voilà. Regretté. Trois changements. C'est un coup que tente l'entraîneur. Même s'il reste une minute pour que ça finisse, mais bon. Paredes. Bon, on est barré. J'imagine il me marque quand je défonce le dernier action. Je défonce l'arbitre. Une belle interception. Ouais, quoi. Mais si tu courais plus vite aussi. Je crois qu'il n'en a pas raté un seul de tout le match. Allez Martinez, comment tu cours dans notre but. J'ai réussi à marquer un autre but. Ouh. En plus c'était un but magnifique quoi. Oh mon dieu. C'est tout simplement son deuxième but personnel aujourd'hui. Ouais. Et ce but... Putain. Cette fois-ci avec c'était cool quand même hein. C'était cool 3-1 alors que j'étais en train de stresser au début parce qu'ils m'avaient marqué eux avant et ils arrêtaient pas d'en m'enlever la balle. En tout cas dans la deuxième mi-temps c'est moi qui dominais hein. Oh mon dieu, elle fait un bisou à sa maman là devant la caméra. Jackson M, encore un but, le deuxième but de Jackson M. Quand même, au début, je stressais. Hein. À la fin de la première mi-temps, je stressais plein. Blindé. Je stressais beaucoup. Parce que je pensais qu'ils allaient gagner ou que j'allais être égalité. Puis après, au deuxième but dans le corner, j'ai vu que c'était impossible. Après, je pensais que c'était possible avec le problème avec mon défenseur là. Comment j'avais eu un problème. Mais bon! Ouais, il était pas mal le match. Enfin, je me suis amusé. Sauf au début, je pensais que... Smalling, tu vois, là. Oh, putain. Ouais, après, quand je finirai la phase de groupe, je changerai les maillots parce que... Par exemple, le numéro 2 ne peut pas être... Enfin,
Je pense qu'un numéro 2 ne peut pas être attaquant. Là, on regarde les moments forts. Les moments forts. Ouais, là, par exemple, mais comment il a raté ça, mec? Un coup de tête, là, comment il rate? Mais comment il rate? C'est impossible. C'est impossible. Impossible, my friend. Je déteste quand ils mettent une meilleure note au gardien de mon équipe, enfin de l'équipe adverse, parce qu'il a fait plus d'arrêts que le mien. Mais oui, mais il a fait plus d'arrêts parce que j'ai attaqué beaucoup plus aussi. Voilà, c'est ça quoi. Bon, fini les moments forts. Milanais, victoire pour le deuxième match de la phase de groupe. Match phase de groupe. Ok, il me donne un deuxième pack. C'est cool, si vous me donnez un pack chaque fois que je gagne, ça serait cool. Homme du match, Martinez. Ouais, j'avoue. Ok. Et en plus, si je gagne des crédits, je pourrais acheter un autre pack. Je suppose que au quart de finale. Ouais, au quart de finale, je pourrais acheter un autre pack. Bon, comme j'ai ouvert un pack aujourd'hui, ce pack, je le laisse pour la prochaine fois. Et ouais, comme ça, je vous laisse avec le suspense. Donc, oh, le classement. Parce que le Chili a... Ok, donc, prochain match. Si je perds, j'ai 0. Et Chili gagne. Ouais, quand même, je serai qualifié. Donc, voilà. Donc, pour le prochain match, je pense que je vais jouer quand même avec les équipes... Enfin, avec mes titulaires, mais mes meilleurs. Parce qu'ils sont pas vraiment fatigués. Et après, je les fais reposer pendant les huitièmes de finale et les quarts de finale. Quoique, peut-être qu'il vaut mieux que je les utilise pour les quarts de finale déjà. Bon, vous me le mettez sur les commentaires. Sauf si j'ai déjà fait le troisième épisode. Parce que peut-être que quand vous voyez cette vidéo, pas la première, mais celle-ci, la deuxième, enfin le deuxième épisode, peut-être que j'ai déjà fait le troisième. Mais bon. Donc, vous me mettez sur les commentaires des conseils surtout sur ma chaîne, sur comment je joue à FIFA, sur tout. Et voilà, donc je laisse le suspense ici dans la boutique. Le pack, qu'est-ce que c'est, quel joueur c'est, on verra bien. Donc voilà, c'était Sarcueil Martim ou Sarcueil Martin comme vous voulez, ou Sarcueil tout seul. C'était Sarcueil Martim et je vous laisse avec le suspense. A plus.